Yo tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui, c'est fini les montagnes, je repars à la conquête des villes et aujourd'hui, je vous présente la plus belle ville baroque de Suisse. Bienvenue à Soleure. Je disais avant, l'une des plus belles villes baroques de Suisse, Soleure. Mais pourquoi? Figurez-vous qu'elle a été construite entre les années 1500 et 1700, ce qui fait quand même une des villes la plus vieille de Suisse. Bref, aujourd'hui, on parle un peu d'histoire, mais aussi je vous présente 5 choses à ne pas louper si vous venez à Soleure. C'est parti! Voilà les amis, deuxième jour sur Soleure, nouvelle journée. Maintenant que je vous ai fait visiter cette magnifique vieille ville et raconter un peu son histoire, bon, je ne vous ai pas tout dit. Elle a aussi un deuxième surnom qui est la ville des ambassadeurs, car elle a abrité le siège de l'ambassade française dans les années 1500, enfin bref, je ne m'en souviens plus exactement. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener à 20, une vingtaine, trentaine de minutes à pied ou 5-6 minutes en voiture de Soleure pour arriver dans un endroit plutôt naturel, sympa à voir, où vous avez droit à la visite de certaines gorges, des rivières, des petites chapelles, enfin c'est vraiment typique. C'est parti! C'est ici que cette balade soleuroise s'arrête. J'espère que cette ville vous aura plu, mais n'hésitez pas, si vous n'aimez pas flâner dans les rues de Soleure, vous avez plein de musées pour enrichir votre culture, mais aussi aller déguster dans le café du coin une bonne soupe au vin blanc qui est la spécialité d'ici. Moi, je vous dis à très vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que le concept de la ville aussi. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'oubliez pas de le faire juste ici. Mettez-moi des commentaires, partagez cette vidéo. Moi, je vous dis à très vite dans de prochaines découvertes. Ciao les amis.